Goran Bezina, après deux victoires contre Langenthal, aujourd'hui vous avez été dominé et largement dominé à partir du deuxième tiers. Est-ce que vous avez été surpris justement d'être autant dominé à partir de la 20e minute? Il me semble qu'on était dominé dès le premier tiers, si, ça, si tu me poses la question. Parce que même en première période, je crois qu'il y a 11 shoots à 5. On n'a pas trop touché le puck. Ils ont tourné autour, c'est clair qu'ils étaient sorts, ils étaient meilleurs que nous. Les deux premiers matchs, on avait le jeu en main. Ce soir, on les a laissés jouer, on leur a laissé trop d'espace. Et on n'a pas assez patiné. Alors, je ne suis pas surpris de la tournure du match parce que justement, l'effort n'était pas là, quoi. Justement, Sierre joue un match important samedi à Chaux-de-Fonds. Là, vous êtes bien implanté dans le top 6. Est-ce qu'au début de la saison, vous pensiez que vous feriez une aussi belle saison? On ne savait pas trop à quoi s'attendre parce qu'il fallait qu'on voie comment l'acclimatation des nouveaux joueurs et justement l'expérience et des joueurs de l'année passée qui ont pris du chemin de la bouteille. Mais je savais qu'on avait du potentiel, on avait plus de profondeur que l'année passée et que ça allait être mieux que l'année passée. Mais à dire qu'on allait dans les quatre premiers à ce moment de la saison, c'est clair qu'il n'y a pas grand monde qui nous mettait là, quoi. Mais nouveau, dès les matchs amicaux, j'ai quand même vu qu'il y avait du potentiel. Et les trois premières lignes tournaient bien. Et il fallait qu'on soit épargné par les blessures. C'est le cas pour l'instant. Il faut que ça reste comme ça. Mais j'ai quand même vu un potentiel au début de la saison, oui. Merci beaucoup, Goran, et bonne chance pour le match de samedi à la Chaux-de-Fonds. Merci.